Tout d'abord, bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très ému, très heureux d'être parmi vous. Je suis extrêmement touché. J'ai toujours été très touché d'être en Belgique, qui est un pays très cher à mon cœur et qui l'a été, le restera encore longtemps, j'espère, pour ma musique. Voilà. Je suis là auprès de vous après un mois et demi de répétition. Je flotte un peu, mais ça se verra pas, je vous promets. Et je suis un peu fatigué, mais assez heureux. Enfin, je parle de ce qui adviendra demain. Voilà, et voilà, donc je vais me prêter au jeu de cette conférence. Anne-Sophie Noël, j'ai supplié de m'accompagner de la Monnaie de Bruxelles, va faire comme on fait avec les animaux pour qu'ils avancent plus vite. Oui. Au nom de la Monnaie, je voudrais vous remercier très, très sincèrement et très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à prendre part à cette conférence ce soir. On est à presque 24 heures de la création mondiale de Penthesilea. Pour le compositeur et le librettiste de cet opéra, ce n'est pas rien d'accepter de se prêter au jeu, comme vous venez de le dire. Et quand on s'est parlé ce matin, vous m'avez dit au sujet de cette rencontre, mais finalement, vous n'imaginez pas dans quel état je suis. Je suis fatiguée, je suis dans un état de nervosité et pas d'enchantement, mais il y avait un mot très poétique et positif par rapport à ce qui va se passer demain soir. Et moi, un peu bêtement, j'ai dit oui, je comprends. Et puis quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais je ne comprends pas du tout, puisque je ne suis pas créatrice, je ne suis pas compositrice. Et donc ma première question, c'était celle-là. Comment ça va? Et comment se sent-on à l'approche d'une création? Oui, puisque vous me provoquez, je connais bien cette histoire, c'est-à-dire la vie du compositeur, c'est souvent, la plupart du temps, c'est une vie de silence, c'est une vie de solitude. Et pour ma part, j'aime énormément travailler. Je me structure en tant que personne, je crois, uniquement avec le travail. Quand je ne travaille pas, j'ai l'impression que j'ai mon QI, mon quotient intellectuel qui baisse, j'embête toutes les personnes que j'aime le plus, mon niveau de réflexion rase le sol très très vite. Non, je plaisante à peine. Oui, je veux dire par là que le travail est quelque chose qui permet de se construire, de se constituer, de s'édifier, de se métamorphoser aussi, parce que c'est quelque chose qui vous change, qui vous rend meilleur, en tout cas pour soi-même, ce qui est déjà une chose qu'on pourrait exiger de tout un chacun, indépendamment de la pratique qu'il conduit dans sa vie. L'artiste n'a pas de privilèges, mais il a des devoirs. Et pour répondre directement à votre question, je sais ça, c'est-à-dire non seulement à l'opéra, c'est mon 7e opéra, j'ai connu des périodes de ma vie comme ça extrêmement intenses, de production, encore aujourd'hui aussi avec d'autres opéras. Et c'est comme si, je ne veux pas être trop grave, mais c'est comme si vous mouriez un peu. On meurt un peu. C'est-à-dire quelque chose, pour que la chose advienne, il faut que quelque chose disparaisse un peu en vous pour avoir la bonne distance. Alors il est vrai que
à l'opéra, il faut toujours apprendre à perdre quelque chose. Je le dis sans aucun esprit d'amertume, mais il faut savoir que tout ne va pas se passer comme vous pensez que ça va se passer. Il faut apprendre à décontrôler en quelque sorte tout ce qui se met en place, parce que la quantité de paramètres qui est en jeu peut rendre très difficile votre propre appréhension de la partition qui est en train de naître. Vous ne pouvez pas impunément passer de la table du compositeur, ou peu importe comment il travaille, pour ma part je ne travaille qu'à table, à une scène comme celle de la Monnaie de Bruxelles, avec des dizaines et des dizaines de gens qui sont dévoués pour vous, qui sont là tous pour vous, enfin, c'est en même temps extraordinairement émouvant, mais vous ne pouvez pas passer de votre table à ce moment magique, enfin, qui est véritablement enchanteur, quoi, qui est celui de la création d'un opéra. Même si celui-là n'est pas particulièrement... c'est un opéra aussi très lourd, dont la thématique est très, très forte et d'une très, très grande intensité humaine, je crois, et qui vous met en face, au fond, de destinée, enfin, c'est-à-dire de quoi parlez-vous au travers de cet opéra, à quoi voulez-vous vous confronter. Donc comment je vais? Je vais très bien, mais c'est vrai que j'ai quelquefois le sentiment que mon cerveau, après un mois et demi de travail, en fait la vérité, c'est que c'est pas tellement la vérité, c'est les émotions, quoi. C'est les émotions qui sont c'est comme un amour, quoi, vous voyez. Mais c'est vrai, quand quelquefois on est traversé par des influx comme ça émotionnel, et moi j'y suis extrêmement sensible, et j'en deviens presque aphasique. En répondant à la question de savoir comment vous avez aussi répondu à la question, partiellement en tout cas, à la question de savoir pourquoi on crée, pourquoi un artiste crée. Soit en le disant avec un peu d'humour, je pense quand même, en disant que votre caution intellectuelle est au plus bas si vous ne créez pas. Mais si on va un peu plus loin, vous avez parlé de par la création et par la révélation, si je puis dire, d'une œuvre sur scène à un public, de perdre une part d'intime, telle que je l'ai compris, en tout cas de mettre en opposition la naissance d'une œuvre d'art avec, par ailleurs, la mort, ou en tout cas l'idée de la mort d'un élément beaucoup plus intime jusque-là. Et ça m'a amené... Ce que vous avez exprimé pour l'instant était particulièrement personnel et intime. J'ai lu dans une interview que vous avez donnée que vous disiez « L'écriture d'un opéra me permet de rendre compte d'une inquiétude au monde ». Je trouvais ça assez, à la fois assez beau et en même temps assez engagé. Et là, j'avais plus l'impression qu'il y avait presque un devoir moral de l'artiste dans son travail de création. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Non, je ne vais pas réagir. Je vais agir. Je veux dire par là que ça fait longtemps que j'agis, je crois. Mais plus en jouant moins sur les mots, créer, c'est... Alors, je vais m'amuser encore, mais ne voyez pas d'ironie quand je m'amuse comme ça. En fait, c'est assez sérieux. Vous savez, quelquefois, les journalistes qui me demandent des choses, pourquoi écrivez-vous, tout ça, oui. Petite interview un peu rapide. Alors, je dis deux choses, toujours les mêmes. Ça dépend du contexte. Alors, je dis, parce que sinon, j'oublie. Sinon, alors, ça marche pas mal. je l'écris parce que sinon j'oublie ma musique, quoi. Enfin, bon. Et après, si le journaliste, je sens qu'il faut un peu le calmer
ou quelque chose dans l'ambiance ne me plaît pas, ou je trouve que c'est un peu rapide, ou c'est un peu français, comme ça, je réponds, j'écris en attendant de mourir. Ce qui m'a valu quand même, une fois, France Musique en France, presque un décrochement d'antenne. Vous savez, parce que le journaliste était tellement stupéfait que ça l'a probablement très angoissé. Et vous savez, au bout d'une minute, s'il n'y a pas de parole, il y a une espèce de loi anti-pirate et ça coupe là. Ça se coupe tout ça. Non, mais c'est le technicien qui m'a dit 10 secondes de plus et l'antenne partait en vrille, quoi. Mais en même temps, c'est la réponse la plus sérieuse que je peux faire. Et je réponds en général, oui, j'attends de mourir, pendant ce temps-là, je m'occupe. Vous voyez ? Alors, ça a l'avantage d'être un peu joueur, mais d'être, au fond, je crois, une réponse, pardonnez-moi si ça peut paraître prétentieux, mais c'est assez métaphysique quand même. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'occuper l'espace de sa vie à quelque chose. Et c'est cet espace-là qui doit être l'enjeu et le lieu, comme disent les philosophes, d'un rendre compte au monde. Hein. Et je pense que l'artiste a une véritable aujourd'hui responsabilité sur ce plan, sur ce point, parce que son travail est celui de l'interrogation et de la vigilance. Hein. Alors, quand on me commande un opéra, de quoi parle-t-on ? De quoi on va parler ? Vous voyez, c'est pour ça que je bénis le ciel de ne pas être écrivain, parce que si j'étais écrivain, je serais sans doute tenté de raconter plein de choses de ma vie absolument inintéressantes. Vous voyez, la littérature française est pleine de romans comme ça qui parlent de « j'ai 40 ans, je suis amoureux de la copine de ma fille, vous voyez, je suis une femme seule avec deux enfants ou un mari, vous voyez ». Non mais, c'est vrai quoi, c'est comme ça. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Tandis que dans la musique, on peut aussi parler de ça, mais ça ne s'entend pas déjà. Enfin, ça ne se dit pas, vous voyez. Non, mais c'est vrai que vous pouvez, moi je parle de ma vie très très présente comme ça, mais vous ne le saurez jamais. En revanche, plus sérieusement, quoique j'étais pas si. Je ne jouais pas tellement, parce que je pense vraiment ce que je viens de dire. Quand on aborde l'opéra, qui est quand même un lieu très favorable à la représentation de. Enfin, en tout cas, l'expression de la psyché collective, quoi. De quoi parle-t-on, hein ? Alors, je ne vais pas faire un opéra parce que j'ai des problèmes avec ma femme ou je ne sais pas, ou mes enfants. Vous voyez, donc, de quoi on va parler ? Alors, ça, c'est ce que j'appelle l'interrogation du monde. Hein ? Quand, je l'ai dit plusieurs fois déjà, quand La Monnaie me commande au tout début des années 90 un opéra, c'était une aventure assez extraordinaire pour moi. En plus, cet opéra a connu beaucoup de productions très différentes par la suite, encore récemment. Et donc, j'ai vu les enjeux se déplacer. Mais je me souviens très bien que c'était la première commande de Bernard Foucroule. Il n'était pas encore en poste. Enfin, donc, c'était Gérard Mortier était encore là. Et il voulait commander un opéra assez court à mettre en face de Didon aîné de Purcell, dont on sait que c'est un opéra très court qui fait 45 minutes à peu près. Et son idée était de juxtaposer comme ça deux volets, un très ancien qui n'est quand même qu'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire humaine, quoi, hein, Didon aîné de Purcell. Et puis une création contemporaine. Alors je me suis retrouvé dans un piège terrible, quoi, parce que comment pouvais-je être sérieusement à 30 et quelques années en face de Didon aîné ? Mais en fait, une fois que j'avais un petit peu déplacé mon complexe d'imposture, je me suis dit, mais de quoi ça parle Didon aîné ? Au fond, c'est une femme qui est abandonnée par un homme pour des questions de gestion de territoire. Hein ?
Et alors, je me suis demandé s'il y avait une histoire qui parlerait de ça. Hein. Et par un jeu un petit peu subtil de discussion avec Bernard Foucroux, le metteur en scène d'Écuvellerie qui avait été pressenti pour faire cette mise en scène, tout à coup, l'histoire de Médée est apparue. Hein. Et il se trouve que Médée est un très grand texte de Heiner Müller, qui fait partie d'une trilogie, donc, mais qui est une revisitation, si je puis dire, du texte antique, enfin en tout cas du mythe antique. Alors Médée, vous comprenez, qui c'est Médée ? Ben, c'est une femme qui se fait abandonner pour des questions de gestion de territoire politique. Et comme elle n'est pas très contente, elle tue ses deux enfants. Vous voyez ? C'est pas drôle, hein, comme histoire. Mais en 90, 11, 12, où étions-nous en Europe ? Nous étions en face de quoi ? Nous étions en face, à une heure d'avion ou deux d'ici, d'un terrible massacre serbo-croate, où que faisaient les gens ? Eh bien, pour des questions de gestion de territoire politique, certains peuples étaient abandonnés, et que faisaient ces peuples, qui étaient tous unis auparavant ? Ils tuaient leurs enfants. Donc, ça prouve la permanence du mythe, ça prouve, en abordant ce sujet terrifiant, moi qui en plus venais d'avoir des jumeaux l'année d'avant, alors, vous voyez, voilà, aborder ce thème antique, rebattu, enfin, qui faisait partie presque des archétypes de la tragédie antique, tout à coup devenait absolument contemporain et me permettait de reconstruire ce lien avec le monde réel, enfin avec la conscience, la vigilance dont je parlais tout à l'heure, et ce par le biais de la musique. Mais une musique, je dirais aussi, et passez-moi l'expression, débarrasser des enjeux de la musique. Parce que quand on fait de la musique, et je crois qu'il y a quelques musiciens et non des moindres ici, hein, la musique, c'est un... C'est, moi, j'aime beaucoup la musique. Hein. J'adore ça. Non, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup la musique. Enfin, je n'ai aucune autre expérience de la vie que par la musique. Quoi. Mais la musique, ça peut vous éloigner du monde. Vous pouvez créer un monde fantasmatique, c'est les analystes qui nous parlent très bien de ça, enfin la psychanalyse parle de ça. C'est, vous pouvez créer un monde de représentation fantasmée, irréelle, vous pouvez lui associer une quantité de fonctions comme ça, presque supranaturelles, qui peut suffire à une vie, qui peut suffire à remplir une vie. Mais quelquefois, ça peut vous éloigner de l'existence. Et ça vous ne donne pas de droit pour autant. C'est pas parce que vous aimez cette beauté-là que ça vous suffit. Enfin, passez-moi la métaphore, mais les nazis aimaient beaucoup Schubert, hein. Ça les gênait pas tellement. C'est-à-dire que c'est une ambivalence qui est très très compliquée à vivre. Et je sais que moi, comme jeune compositeur, je me suis retrouvé face. Enfin, ça va, je suis plus jeune. Ou comme disait Picasso, il faut du temps pour devenir jeune, donc c'est fait. Mais quand j'étais très jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais en face d'un monde qui pensait la musique à un niveau d'abstraction et de totalement dégagé, même de la relation avec le monde. Ceux qui tenaient le haut du discours, naturellement, étaient des gens quelquefois agressifs, même avec l'idée de donner les choses. Hein. Et donc, il a fallu sans doute que certains de ma génération, enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai moi, se rebellent contre cet état de fait. Alors, ça avait des significations et des représentations très spécifiques dans la musique. Enfin, certaines choses étaient interdites, etc. Enfin, certaines manières de faire la musique étaient véritablement prohibées parce qu'elles ne passaient pas par les codes. Et au fond, moi, mon grand privilège, c'est que ben, je devais être mal élevé, mais je m'en fichais complètement. Hein.
Et puis, je suis entré dans ce qui a été maintenant ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais enfin, je sais que la question du sortir de la musique, hein, pour y revenir, hein, naturellement, parce que M. Bartholomé me faisait outre le grand honneur qu'il me fait de parler en ces mots de mon travail, il est sûr que quand il dit que j'ai écouté des centaines de fois les Diabelli, il est peut-être loin de la vérité. Je crois que je l'ai écouté encore beaucoup plus que des centaines de fois. Et c'est une œuvre qui me manque toujours, justement, dans une intégration sur l'humanité, sur l'homme, sur la pensée, sur le futur, de façon extrêmement exhaustive dans ma vie. C'est-à-dire que ça me permet d'essayer de toucher quelque chose qui va loin, de plus en plus loin. Alors, je n'ai pas perdu le fil de mon propos, puisque l'opéra, en fait, a été une reconstruction. Chez moi, c'est pas venu de l'opéra, c'est venu du monde. Et l'opéra, de par sa construction nécessairement littéraire, m'induisait à reconstruire quelque chose avec le monde et en dialectique avec le monde, sans jamais le citer directement. Par exemple, je n'ai jamais fait d'opéra qui traite de faits réels, ou qui va essayer de chercher... Attention, ce n'est pas une critique de mes amis compositeurs qui feraient ça, naturellement, mais moi, je ne veux pas m'intéresser à une histoire, par exemple. Je vais m'intéresser à quelque chose qui est une métaphore, même si ça passe par une histoire. Penthesilée, c'est une histoire, mais qui dépasse totalement, je dirais, son enjeu discursif, quoi. Enfin, hein, Achille, Penthesilée, je t'aime, tu m'aimes plus, je t'aime à mort, je te mange, tout ça. Non, il y a dans Penthesilée quelque chose qui me permet de parler, comme je l'ai dit dans le programme, je crois, quelque part, je dis, il a fallu attendre que quelque chose devienne extrêmement contemporain pour moi, de manière à aborder ce sujet. Vous évoquiez Médée Matériale en 1992, on est en 2015, Penthesilée. Le point commun entre les sources littéraires, c'est le lien à l'antique, c'est le lien au tragique antique, avec Médée d'un côté, Penthesilée de l'autre. Vous venez de dire que via l'opéra, il s'agit de reconstruire en dialectique avec le monde. Si on prend Penthesilée, on peut lire l'histoire de Penthesilée comme une transgression de la loi. La loi des Amazones que Penthesilée va transgresser par passion, par folie amoureuse, par désir d'Achille, jusqu'à ce que cette transgression l'amène à la mort partagée, ou en tout cas à la mort des deux protagonistes. On sent que dans votre travail de compositeur, dans votre travail artistique, la philosophie, la sociologie, le monde dans lequel on vit est extrêmement présent, sans doute par le biais de la métaphore, comme vous venez de le dire. Peut-être la question est-elle trop simple, mais ce que vous expliquez m'amène à penser, est-ce que vous voyez pour pouvoir travailler Penthesilée, il a fallu que ça ait une résonance contemporaine. Dès lors, est-ce que cette transgression de la loi que provoque et qu'incarne Penthesilée, est-ce que vous posez un regard sur elle qui peut être également contemporain dans une société actuelle où on voit que même si les lois existent, les individus n'hésitent pas à les transgresser au point d'aller jusqu'à la mort d'eux-mêmes ou des autres? On peut même penser aux événements de Paris début janvier, enfin, y a pas mal d'idées qui me passent par la tête. Est-ce que dans cette contemporanéité de Penthesilée, vous avez un regard particulier à travers elle sur notre société d'aujourd'hui? Vous savez, Penthesilée, en fait, c'est une idée qui naît un peu en Belgique. C'était très exactement... J'aime à lui rendre hommage, c'est une idée que avait soufflé Harry Albrecht, psychologue belge, qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a connu très jeune, et qui,
qui avait peut-être entendu quelque chose dans ma musique d'alors qui permettrait un jour d'aborder ça, et il m'avait dit tu devrais faire un jour quelque chose sur la scène finale de Penthesilea. On était en 1979, hein, donc ça fait un moment. J'ai jamais oublié ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était ce texte. Et je l'ai découvert. Et j'étais saisi par la brutalité invraisemblable de ce texte. Et en même temps, j'étais quand même... Non pas qu'on puisse pas comprendre Penthesilea à 24 ans, mais enfin, quelque chose ne faisait pas partie de mon univers direct, quoi. En même temps, ça m'intéressait parce que j'étais très proche de Xenakis, enfin, j'avais étudié avec lui, enfin, je l'avais écouté. Il n'a jamais été mon professeur, Xenakis, c'était mon maître, ce qui n'est pas pareil, c'est mieux. Et quelque chose avec la Grèce, comme ça, me plaisait. Mais il est sûr que je n'avais pas le temps en moi, je veux dire, d'aborder cette question-là. Et puis ce texte, il est resté en moi, il est revenu. J'ai commencé à écrire, mon premier opéra date de... Enfin, il est créé en 89, mais il est achevé en 86-7. Enfin, je suis toujours un peu en avance, moi. Et puis voilà, après, je me souviens quand La Monnaie m'avait commandé Médéa, enfin ce qui allait devenir Médéa, j'avais repensé à Penthesilea, puis je reprenais ce texte, puis après j'ai fait un autre opéra qu'on va entendre d'ailleurs ici, là, l'année prochaine, To Be Sung, qui est très, très, beaucoup plus formel, qui s'intéresse à tout à fait autre chose, enfin. Et puis après, il y a des années sans opéra, puis La Bastille me commande un opéra, puis je reprends Penthesilea, puis je me dis non. Enfin, tout ça dure 30 ans. Voilà, parlons clairement. Et puis, en 2010, quand Peter de Kalouf, à l'occasion d'une représentation d'un avant-dernier opéra maintenant, Passion, qui a été joué d'ailleurs ici, il me dit, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà. Donc on se met à parler. Donc j'étais dans un projet... qui s'est avéré tout de suite assez peu... je traînais autour d'un truc que je n'ai pas réussi à réaliser. Et puis, très très vite, en quelques jours, comme ça, je dis, je vais faire Penthesilea. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je prenne la décision aussi vite, alors que j'avais l'impression d'être devant un monument? Enfin, quand je parle de monument, ce n'est pas nécessairement au sens... monument littéraire, bien sûr que Penthesilea de Classe est un grand monument de la littérature allemande, mais j'étais vraiment un monument, vous voyez, comme lorsque vous êtes devant une montagne ou, je ne sais pas, la Tour Eiffel, enfin, vous voyez, c'était énorme, quoi. Enfin, c'est... Et il y a plein de personnages là-dedans. Enfin... Alors, je suis rentré là-dedans bille en tête, hein, et j'ai commencé à y aller, comme on dit, à la hache, quoi, enfin, à couper des choses. Et j'ai recopié le livret plusieurs fois, trois fois exactement. J'enlevais des personnages. Et puis, après, il était évident que je n'étais pas en mesure d'assurer moi-même la tenue, surtout en allemand. Donc, j'ai fait appel à une dramaturge allemande, qui est là d'ailleurs, Beate Eckel, qui a été ma conscience et mon pilote, mon copilote sur l'opération Penthesilea, et je le remercie car ça a été une expérience pendant plusieurs années très très belle et très douce aussi, hein, et qui a assuré la cohérence du livret, qui veillait à ce que les personnages ne se contredisent pas, etc. Mais enfin, pour répondre à votre question, qu'est-ce que s'était-il passé? Le monde était arrivé en moi, parce qu'il était évident que Penthesilea, au-delà de l'histoire et de la métaphore qu'elle suppose, on peut avoir un parti pris sur l'éros seulement, on peut avoir un parti pris sur le thanatos, mais tout ça, ça reste des ambivalences interprétatives possibles. Mais enfin,
moi, ce que je voyais, c'était la Syrie, c'était la Libye. Ce que je voyais, c'est le désastre que ces pays vivent, que nous vivons avec eux, parce que nous en sommes responsables aussi. Et cet extraordinaire mouvement presque de planète. Enfin, quand je dis planète, c'est au sens, encore une fois, elliptique, quoi. C'est-à-dire, nous sommes enserrés dans des cercles comme ça, très, très complexes. Et dans laquelle la passion est un enjeu, hein, et surtout la loi. Tout ça rassemblé évidemment par la guerre, comme à chaque fois. Mais enfin, que se passe-t-il d'autre que des enjeux d'amour ? Quand je dis amour, c'est pas seulement je vous aime, vous êtes belle, vous êtes beau, etc. Non, c'est-à-dire de croyance, quoi. Hein, de croyance et de persuasion, de conviction, d'assurance d'être dans le vrai, que ce soit d'un camp ou dans l'autre. Le tout enrobé dans la loi. Et quand je dis la loi, c'est pas seulement leur loi, c'est la nôtre. Hein. Il ne s'agit pas de rentrer dans un débat politique. Il s'agit de voir à quel moment la loi vous pense et vous induit dans un système horrifique, quoi, hein, de terreur, de frayeur. Et moi qui suis à revivre, si j'ose dire, par l'intermédiaire des fabuleux interprètes qui chantent Penthesilea, J'ai revécu toute cette histoire, mais dans le détail, hein, vous voyez, c'est-à-dire non, ici, si bémol un peu bas, le fa dièse un peu trop tôt, là c'est une double corche, c'est pas une croche, enfin, etc., comme on fait. Mais tout ça, ce sont des détails devant lesquels je me sens très à l'aise, comme tout compositeur, mais je sais qu'il a fallu que j'apprenne à mes interprètes à vivre les enjeux qui étaient les miens au moment de la création de ce travail et dans l'interrogation avec ce monde-là, quoi, hein. Donc c'est une expérience extrêmement particulière, hein. Je voudrais aborder maintenant un autre pan de votre travail. À nouveau, je vais vous citer. Vous avez dit « Lorsque je compose, il n'existe aucune séparation entre les voix sur scène ou l'orchestre dans la fosse. Toute ma musique se déploie dans un grand continuum vocal. Pour moi, tout est chant. » Alors, Pierre Bartholomé l'a annoncé à ceux qui ne le savaient pas dans son allocution, mais si on connaît Pascal Dussapin, le compositeur, on sait peut-être moins qu'il est également photographe. Et je trouvais ça intéressant que vous disiez que tout est sonore, tout est chant. Et je me disais, pour un compositeur qui est également un photographe, est-ce que quand vous composez, vous avez, au-delà des images musicales, aussi des images, au premier sens du terme, des images de ce qui pourrait se passer sur scène, ou des images, des photos, vous parlez de la Syrie. Est-ce que quand vous êtes dans votre travail de composition de Penthesilée, vous voyez ces images dans votre tête, soit des images d'autres, de la réalité, de la société, du monde, soit des images que vous avez vous-même réalisées. Okay. En gros, la question, si elle n'est peut-être pas claire, mais c'est quel est le lien entre le sonore et le visuel dans votre travail, et comment est-ce qu'ils s'interpénètrent l'un l'autre ? Je vous dirais qu'il n'y en a pas, en fait. Mais il n'y a pas de rapport entre un son et une image. C'est pas la peine de se raconter des histoires, il n'y en a pas. Là où il y a quelque chose qui se passe, c'est dans le geste intérieur qui vous mène à la musique ou qui vous mène à l'image. Ça, c'est extrêmement différent. C'est-à-dire que là, il y a des invariants. C'est-à-dire,
des questions qui sont avant le matériau qui est celui que vous avez choisi. Et ça concerne aussi les architectes, les cinéastes, les romanciers, tout ce qu'on veut, les photographes. Enfin. Et moi, je sais que je me suis beaucoup intéressé à ça, et probablement parce que j'ai mis un peu longtemps à le comprendre. C'est l'avis d'un ami qui est un grand professeur de cognition, enfin de sens cognitif, à mon sujet. C'est que j'avais une sorte de kinesthésie un peu particulière, comme ça. C'est-à-dire que quand j'entends la musique, je ne vois pas d'image. Non, jamais. Jamais. Je ne vois pas les petits oiseaux, tout ça. Mais même si ça m'arrive dans ma musique d'aller chercher, de les imiter. Hein. Enfin, ça m'est arrivé, ça, en revanche. Mais je vois des formes. Je vois des formes assez géométriques, comme ça. Je vois des rapports. Hein. C'est presque mathématique, quoi. Et alors, ces formes me permettent d'agencer ma musique, c'est-à-dire d'entrer dans un véritable processus de construction. Alors, c'est vrai que quelquefois, il m'arrive, avant même d'écrire la musique, de dessiner quelque chose. Mais on peut le voir on peut, comme si c'était à la disposition de... Vous voyez, non, c'est pas au musée, tout ça, c'est chez moi. Et c'est quelquefois dans mes carnets de notes, j'ai des petites formes comme ça. Et je sais que c'est ces formes-là qui sont directement associées soit à des volumes sonores ou plus précisément à des intervalles. C'est même une chose très mélodique, je peux déjà la voir en forme avant de l'écrire. Alors évidemment, c'est pas un principe non plus, ça arrive. Alors pour répondre directement à votre question et à votre remarque sur le fait que je suis photographe aussi, je suis désolé, je suis pas photographe moi. Moi je suis compositeur de musique. Moi. Mais la photographie accompagne ma vie depuis toujours. Alors depuis quelques années, ça commence à se savoir, on a publié des livres, on m'a fait des expos, même la Maison européenne de la photographie. Là, j'ai fait une petite expo en Allemagne, des choses comme ça. On m'en achète quelquefois. Donc, ce qu'il y a, c'est que si mes photographies sont... J'ai tellement de respect et j'adore tellement la photographie que je crois pouvoir dire que je connais bien l'histoire de cet art et je m'intéresse beaucoup à titre purement privé à la photographie. Enfin, je suis un vrai amateur de photos, quoi, depuis toujours. Il est sûr que si mes photos ont quelque intérêt, c'est d'abord parce que je suis compositeur de musique. Hein. Et en ce sens, elles sont pas corollaires à ma musique, parce qu'elles travaillent une toute autre dimension de mentale chez moi. Hein. D'abord, la photo, pour moi, c'est un art... Enfin, c'est une pratique extrêmement calme. C'est quelque chose de très, très doux. Enfin, disons que je suis très doux avec moi-même quand je fais des images. Ça m'est arrivé, par exemple, ici à Bruxelles, depuis quelques semaines. De temps en temps, je prenais mon appareil. Et puis, parce que j'avais vu quelque chose, et donc je dis, tiens, demain, je vais faire la photo de ça, peut-être, la lumière sera mieux. Et c'est jamais des gens, c'est jamais des personnes, c'est toujours des formes, des choses que je vois dans la rue, un élément d'architecture, ou une simple fenêtre, ou un détail avec le ciel, etc. Alors, quand on fait ça, ça veut dire que je crée des formes. Hein. Par exemple, si je regarde cette pièce qui est apparemment tout à fait symétrique, je crois. Ben, je dis apparemment parce que de là où je la vois, elle n'est pas du tout symétrique. Vous voyez l'arc de cercle qui est derrière vous, en fait, il est déjà un petit peu dévié parce que je ne suis pas tout à fait en face. Voyez. Donc ça veut dire que déjà mon regard crée une forme. C'est-à-dire que rien que la façon dont je regarde cet élément d'architecture, j'ai déjà créé une forme. Mais si j'ai un appareil photographique et que je fais ça, vous voyez, c'est une forme. Si je fais ça, c'est déjà une autre forme. Si je fais ça, c'est une autre forme. Alors ça, c'est ce que j'appelle un invariant. Ça veut dire que
quand vous déplacez très légèrement votre regard ou votre appareil, vous pouvez créer et construire quelque chose à partir d'un réel qui existe. C'est-à-dire que vous voyez vraiment quelque chose, vous croyez que c'est anodin comme ça. Ben non, c'est pas anodin. Ça va se prêter à une métamorphose extrêmement complexe. Et que fait le compositeur lorsqu'il écrit ? Ben, il fait la même chose. Quelquefois, il a un accord, par exemple, il déplace une toute petite chose, et tac, c'est une autre forme. Il déplace un rythme, il va agrandir, élargir, resserrer, vous voyez, comme je fais avec le geste, et il va construire quelque chose. Et ça, c'est avant la musique. Et quand j'ai été invité à la chaire de création du Collège de France, si j'accepte le fait que j'en étais totalement abasourdi, j'ai quand même rempli la mission. Je me suis attaché à honorer cette chaire là où elle était décrite, chaire de création. Personne ne m'avait demandé de faire un truc sur la musique. Alors je me suis intéressé au fait suivant, à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe avant l'écriture ? Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que ça me permettait, alors là, j'y reviens sous un autre angle, mais de quitter la musique d'une certaine manière, pour lui rendre hommage naturellement, mais d'expliquer que le processus de construction, enfin en tout cas d'invention, le comment ça se fait, ne se fait pas nécessairement avec les matériaux qui, à la fin, deviennent la musique. Hein. Quand vous composez un accord, ben, ma foi, vous introduisez des distances entre les notes, hein. Même ceux qui ne sont pas musiciens peuvent très bien comprendre ça. Vous introduisez des écarts, vous introduisez des volumes d'espace, des tensions, des contractions, des dispersions, qui à la fin créent un ensemble de vibrations très, très spécifiques. Mais ces vibrations sont créées par des rapports. Et ces rapports, ils existent dans cette salle. Ils existent. Alors moi, j'ai un petit truc avec l'architecture, parce que j'ai un peu étudié l'architecture. Mais enfin, de façon très modeste, j'en ai fait 2 ans, comme ça. Ça m'intéressait de voir comment les architectes pensaient. Puis j'ai 2 frères architectes, il faut dire, hein, c'est un peu dans la famille. Mais c'est vrai que toujours quand je suis dans la rue, quand je suis dans un espace, je regarde où je suis, je regarde où mon corps est, et je sens les formes. Et ces formes, elles entrent en moi et... Elles entrent en communication, en vibration avec moi, et je me dis, ah, le type qui a fait ce bâtiment, il a les mêmes problèmes que moi. Il se pose les mêmes questions. Donc, c'est comme si j'avais, d'un seul coup, j'étais sorti de la musique, et puis que j'y revenais immédiatement, tout à fait rafraîchi, avec d'autres questions, hein. Voilà. Enfin, en fait, après, c'est plus compliqué quand même. Hein, mais... J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de vos photos. Et comme vous venez vous-même de le dire, vous ne prenez pas des personnes en photo. C'est souvent... voilà. En tout cas, je n'en ai pas vu. Ouais. Dodo ? Elles deviennent des formes seulement. Oui, donc... loin et flou peut-être. Oui. Oui. C'est effectivement, le rapport à l'architecture, le rapport à la ligne est, j'ai l'impression, un dénominateur commun à vos photos. Mais le fait qu'il n'y avait pas de personne donne aussi un caractère assez intemporel à vos photos. Et j'y liais également la question du silence. Alors, au tout début de discussion, vous avez évoqué le silence quand vous parliez de la création et de la naissance et de la mort. C'est peut-être une question un peu particulière à poser à un compositeur de musique, mais est-ce que ce silence que l'on peut, en tant que spectateur, percevoir dans vos photos est quelque chose qui vous habite ? Beaucoup, ou bien est-ce que vous êtes, comme vous venez de le rappeler et de l'affirmer, un compositeur de musique qui est donc, même quand il se promène en rue et qu'il regarde juste des lignes, des formes, une potentielle photo, est-ce que vous restez
toujours en musique, ou bien est-ce que justement parce que vous êtes un compositeur de musique, la suspension, le silence, la ligne sont également des éléments très importants? Alors, l'autre jour, il y a quelques semaines, il y avait l'opéra de Wolfgang Grimm ici, Lenz. Et je dois dire que je suis très heureux que mon opéra Penthesile soit après celui de Wolfgang, parce que je suis très ami avec lui, je l'admire et je l'aime beaucoup. Et il avait un petit entretien comme ça en public, enfin assez grand entretien même, et il a dit une chose qui m'a j'ai trouvé extraordinaire. Après il m'a dit, oh, tu sais, je ne suis pas sûr que ce soit de moi ça. Mais enfin, pour moi c'est Rim qui l'a dit. On lui posait une question très aimable et sur sa musique, sur la façon dont c'était fait, tout ça. Il a dit, vous savez, les oiseaux sont de très mauvais ornithologues. C'est beau, non? Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est pas tout à fait exactement ce que je vous dirais, mais enfin, je vous raconte l'histoire quand même. Tout ça pour vous dire que, oui, j'entends bien ce que vous venez de remarquer. Quand je dis j'entends, ça veut dire au sens de l'intellection, mais aussi au sens je l'ai entendu, quoi. Mais alors, pour vous répondre vraiment, il faut que je fasse un péché d'égocentrisme de plus. C'est que, par exemple, quand j'ai fait plusieurs livres en fait, de photographie, dont un très gros il y a 2 ans, et je me suis retrouvé avec un directeur artistique, un professionnel de la profession, vous voyez, qui sait tout avant tout le monde, et qui avait l'expérience de ça. Moi, je n'en avais pas du tout, donc je me suis retrouvé avec des milliers de négatifs, et il fallait choisir 120, 130 photos seulement. Bon. Et en fait, il disait toujours, ce garçon-là qui travaillait avec moi, qui était très sympathique, il me disait, mais alors, quel silence dans vos photos, mais quel silence. Il disait... et puis, à la fin, il avait transformé le mot, il disait, mais vous êtes si seul, hein, mais vous êtes, il était drôle, mais vous êtes seul, hein. Alors, je ne suis pas du tout seul, moi, dans la vie, c'est plutôt le problème inverse, d'ailleurs, mais je veux dire, ça m'avait frappé, parce que dans ma musique, peut-être quelquefois elle s'arrête comme ça, mais en général, elle oscille entre la fureur, hein, et la grande mélancolie. Hein. Il peut y avoir des choses tellement comme ça, où j'arrive à entraîner l'orchestre dans des excès, et puis après, plus personne ne dit rien, etc. Alors, c'est vrai que dans l'image, il peut y avoir ça, sauf que c'est toujours plus calme pour moi. C'est-à-dire que l'écriture de la musique est quelque chose qui, personnellement, me met dans une tension que j'adore. C'est presque une jouissance, quoi. Enfin, c'en est une, d'ailleurs. Mais la musique, c'est aussi un art incroyablement technique. Hein. Il faut savoir ce qu'on fait. Le dilettantisme n'est pas permis, quoi. Vous voyez, vous pouvez pas vous retrouver devant un orchestre de 90 musiciens avec des vagues idées sur les si bémols et les sol dièses. Vous voyez, il faut savoir vraiment ce que c'est. Et puis, si le hautboïste vous dit, ben non, là, c'est pas possible, et il faut pas. Vous voyez, il faut l'écouter, quoi. Et il faut plutôt faut savoir comment tous les instruments marchent et fonctionnent, et les alliages entre eux, etc. Donc, c'est un art de pilote de chasse, quoi. Enfin, quoi qu'il faut faire attention à ce que je dis là-dessus, parce que. Enfin, c'est un art d'une précision extrême, quoi. Hein, dans laquelle, le dilettantisme n'est pas possible, quoi. Hein. Mais il n'empêche que quand on travaille, on est souvent dans des phases d'orchestration, de choses très techniques comme ça qu'il faut réaliser, donc ça peut durer des heures, voire des jours et des jours. Mais la création elle-même, quand on sent quelque chose comme ça, quand on est dedans, c'est quelque chose d'une très grande violence, quoi, en même temps. C'est-à-dire, j'ai des moments comme ça, c'est cataclysmique comme moi, quoi. Mais ça se voit pas. C'est très calme, je suis tout seul, d'ailleurs en plus personne ne le voit, donc
je peux vous raconter ce que je veux, mais je vous assure que c'est vrai. Mais je veux dire aussi par là que quand moi je fais ça, enfin moi, mais pardonnez-moi, je suis bien obligé, hein, mais quand je le fais, je chante beaucoup en moi, en vrai, c'est-à-dire que je mime tout avec la voix. Et c'est pour ça que pour moi tout est vocal, tout est intonationniste, quoi. C'est-à-dire l'orchestre, la voix, tout ça, c'est... Par exemple, Natasha Petrinsky, pour laquelle j'avais écrit une suite d'après Penthesilée, que la Monet m'a laissé faire et qui s'est avéré un complément très important à la création de Penthesilée, parce que ça avait donné un petit quelque chose quand même. J'ai fait une suite pour Natacha et orchestre, enfin pour voix, et c'est Natacha Petrinsky qui l'a chantée à Tokyo, hein, il y a maintenant là à la fin de l'été. C'est une histoire que j'aime bien parce que on se connaissait pas tellement, elle avait jamais chanté ma musique, mais elle avait travaillé la partie, puis elle arrive à Tokyo, moi j'étais là parce que j'avais d'autres choses là-bas qui se faisaient. Et puis en fait, on a travaillé un peu là, ensemble avec le chef d'orchestre, la partie vocale, et puis je la sentais comme ça un peu perturbée, c'est quelqu'un qui a un cœur en or, alors elle me l'a pas dit, mais je sentais bien qu'elle était un peu seule avec cette chose-là. Mais quand, le lendemain, il y a eu l'orchestre, elle a compris que sa voix était juste une partie de la voix générale. Et là, elle a trouvé ses marques et ses positions. Et elle m'a dit, mais elle était très étonnée, enfin, de la façon dont, au fond, le chant était conçu, quoi. Il pouvait pas se libérer de lui-même sans l'ensemble. Pour quelle raison ? Parce que moi, je chante tout. Et j'ai une autre jolie histoire avec Natacha, puisqu'on en parlait encore hier soir. Il y a un solo dans Penthesilea qui est extraordinairement difficile. Et elle était véritablement hantée par ces 2 minutes de musique. Elle me disait « je ne vais jamais pouvoir m'en sortir », etc. Et même elle a déjà dit ça il y a 2-3 mois, quoi. Moi, je lui avais dit, tu sais, Natacha, t'inquiète pas, on fera ça doucement, on va le faire ensemble. Si tu as un problème, je t'aiderai, et puis je pourrais l'alléger, je pourrais le refaire, etc. Et il a fallu, et puis je lui dis, puis moi, je vais le faire avec toi. Elle me dit, ah, 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 tu crois que tu vas chanter ça? Je dis, oui, tu vas voir, je vais le faire. Et je l'ai fait avec elle. Elle a compris que ça passait par mon corps. Et puis, évidemment, je ne chante pas là où elle va, évidemment, mais elle a compris que c'était extrêmement physique. Et jusqu'à il y a encore quelques jours, je lui ai dit, tu sais, je peux changer la fin, on peut trouver une solution un peu plus que ceci, cela, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Exactement ce qui est marqué. Elle n'a pas fait changer une note, rien, et elle est advenue elle-même à cette expérience qui a été la mienne. Parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et moi, je l'ai écrit pas de façon abstraite. Je l'ai écrit dans le silence, dans la solitude. Enfin, il faut toujours faire attention quand on parle de solitude. Mais c'est vrai, je l'ai écrit seul. Mais je l'ai intensément vécu. Et je crois que ce qui a été beau, en tout cas, c'est très, très beau pour moi, parce que ça veut dire que si je veux emmener quelqu'un à ce degré d'expression, parce qu'en fond, ce qui est en jeu, c'est l'expression, c'est l'émotion que ça dégage, même si c'est une chose qui est folle, et que cela doit passer par une ultra-technicisation, enfin, c'est-à-dire une chose hyper compliquée, il faut que ça passe par le corps et le chant. Et à ce moment-là, ça se place tout seul, comme une montgolfière qui trouve son altitude entre les hauts et les bas courants, et qui s'immobilise. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Alors, malheureusement, le temps passe. Le temps. Quand on a discuté de cette conférence il y a déjà un moment, vous avez eu une demande très précise par rapport à un intermède musical.
tant sur la pièce qui est Wolken, dont vous avez reçu la traduction à l'entrée, que sur l'interprète, Christelle Leutsch. J'aimerais vous... donc juste un petit moment pratique. On va encore discuter 5 minutes et puis il va y avoir cet intermède musical à l'issue duquel on a prévu un temps de dialogue entre le public et Pascal Dussapin, dont vous pourrez poser les questions ou les remarques qui vous traversent l'esprit. Mais donc pour revenir sur Wolken et sur Christelle, il y a deux éléments sur lesquels je voudrais que vous réagissiez. Vous venez de parler de tout ce travail avec Natacha Petrinski, qui chante donc Penthesile. Christelle Leutsch, que vous allez entendre, est la cover de Penthesile. C'est une jeune chanteuse. J'ai eu la chance d'assister vendredi matin à la répétition de ce que vous allez entendre. Et il y avait quelque chose, je trouvais, de très émouvant dans votre chef. On avait aussi l'impression qu'elle chantait, peut-être pas exactement, mais en tout cas qu'elle se rapprochait très très fort de ce que vous aviez en tête par rapport à ce texte et par rapport à cette musique. Et je sais que ça a été une découverte et un coup de cœur pour vous. Donc j'aimerais bien vous faire réagir sur ce point-là. Et puis vous avez expliqué que dans votre travail de composition par rapport à Penthesile, on peut passer de la fureur à une certaine mélancolie et avoir des sauts relativement brutaux entre des émotions complètement différentes. Toujours sur le petit document que vous avez reçu à l'entrée, il y a un extrait d'un texte en fait que vous avez écrit et où vous parlez de la composition de Wolken, son moment, enfin les circonstances de la composition de cette pièce par rapport à la pièce de Penthesile, et où vous mettez justement en regard Penthesile et sa fureur par rapport à Wolken et une certaine poésie ou en tout cas mélancolie. Et donc c'est les deux points sur lesquels je voudrais que vous réagissiez avant qu'on passe à l'intermède. Oui, j'ai terminé la composition de Penthesile en octobre, novembre 2013. Donc ça c'est un moment déjà, et j'en suis sorti très très fatigué, enfin de façon assez nouvelle. En général, quand je finis une pièce, je la ferme, je passe à autre chose. J'ai d'ailleurs terminé la nuit, après les répétitions, une partition d'orchestre pour l'orchestre de Chicago. Je l'ai fini, je l'ai poussé. Mais Penthesile, c'était très différent. On ne peut pas se confronter à une thématique pareille sans en sortir indemne. Donc j'en suis sorti relativement... même s'il faut que je fasse attention au terme, mais quand même relativement dépressif, quoi, vous voyez. Et j'étais épuisé, quoi. Et je devais entamer quelque chose d'autre. Je suis tombé sur ces poèmes, comme ça. J'ai reçu une petite commande, des Allemands, parfois Wolfgang Grimm, d'ailleurs. C'est pour ça que je ne pouvais pas la refuser. Et... il voulait rendre hommage à Goethe, un festival qui voulait rendre hommage à Goethe. Je lui dis, Goethe, tout ça. Alors je dis, tiens, c'est pas mal. Oh, tiens, c'est bien. Et je vais dans ma bibliothèque, je prends les poèmes de Goethe. Alors Goethe, c'est merveilleux. En plus, moi, j'ai fait un Faust comme opéra, donc vous voyez. Mais je ne cite pas celui de Goethe. Enfin, je vais essayer d'être bref, parce que Goethe, je me suis aperçu que dans sa poésie... il parle tout le temps d'amour. À 72 ans, il tombe amoureux d'une jeune fille de 17, tout ça. Enfin, vous voyez, il était quand même... il a tout le temps des problèmes avec les filles. Enfin, c'est extraordinaire. Et à un moment, je tombe sur cet hommage à Luke Howard, un météorologue, où il y a des petits poèmes sur les nuages. Tout ça. Alors moi, j'ai beaucoup les nuages. J'en ai photographié, j'en ai des tonnes. Je pense que c'est un exercice de forme, le nuage extraordinaire. Enfin, c'est pour moi qu'il pense, il n'y a qu'à regarder les nuages. Et je me dis, tiens, je vais faire ça. Et ça a été merveilleux parce que je n'ai quasiment pas de souvenir de l'avoir écrit. J'ai fait ça de loin en loin, comme ça, en pensant presque à autre chose. Je pense que je l'ai fait quand même assez. Et c'est une pièce qui est tout le contraire
de Penthesilée, qui est plutôt mon avers plus calme, donc vous allez en profiter, je crois. Voilà, quant à Christelle, c'est la Christelle Leutsch, c'est une jeune chanteuse magnifique que j'ai découvert là, et qui a une magnifique voix, un tempérament tout à fait exceptionnel, et j'ai tenu à ce qu'elle chante ses leaders pour vous, ce qu'elle va faire tout de suite.
Der Geist will aufwärts, wo er
Glanz ruht über Land, über Land und Meer und Duft. Freuen Sie.